Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a commencé. Cool, yeah. Au 11 décembre 2020, le niveau du financement monétaire atteint représente 6,1 milliards de gourdes. Donc, par rapport aux engagements inscrits dans le budget, donc on peut dire que c'est cadré, puisque dans le budget, il est prévu un niveau de financement monétaire de l'ordre de 39,3 milliards de gourdes d'ici au 30 septembre 2021. Nous sommes en ligne jusqu'ici avec le pacte et nous devons être prudents dans la gestion de la trésorerie, puisqu'en cette période de fin d'année, si on doit s'attendre à des dépenses relatives à ces festivités, donc on fera en sorte à ce que ces dépenses soient dirigées vers la protection sociale qui est une obligation pour le gouvernement. Rappelez que l'année dernière, nous avions débuté l'exercice fiscal avec un financement monétaire de 2,4 milliards de gourdes pour terminer au mois de décembre avec un peu plus de 15 milliards. Alors que cette année, nous avons commencé l'exercice avec 364 millions de gourdes de financement monétaire et à date, on est à un peu plus de 6 milliards. S'agissant de l'inflation, nous avons commencé l'exercice avec un taux de 21,6 en octobre 2020. Les efforts conjoints MEF, BRH, MCI pour mieux réguler le marché et surtout la mise en place des bases pour la mise en œuvre des projets phares identifiés dans le plan de relance économique à partir du début de l'année civile 2021 devrait nous conduire à une augmentation sensible des dépenses, mais et qui ne devrait pas intervenir avant le début et de la prochaine année civile. Tout ceci dans l'objectif d'atteindre les 18,2% d'inflation projeté pour la fin de l'exercice fiscal 2020-2021. Donc, il y a deux mesures qui sont adoptées par le gouvernement de manière à contenir les dépenses au niveau des recettes que la DGI et la douane seront en mesure de collecter. Donc la première mesure, c'est une circulaire, et particulièrement précisément la circulaire 0008 du Premier ministre relative au cadeau de fin d'année, donc qui doit être très limitée en fonction de la raréfaction des ressources. La deuxième mesure budgétaire concerne la programmation mensuelle des dépenses, et cette programmation se fera de concert avec l'ensemble des entités impliquées dans les dépenses. Donc là, le gouvernement travaille d'arrache-pied à finaliser cette programmation. Donc, on fera en sorte à ce que le niveau des dépenses qui va être exécuté soit compatible avec les recettes collectées par la douane et la DG. Stabiliser le taux de change, c'est le travail nous tous, en fait, que hier. C'est certainement le travail Banque centrale, parce que Banque centrale a un rôle important de stabilité des prix. Et il faut tout dire en passant que nous rendons compte que appréciation monnaie locale là permet que l'inflation diminue. Parce que supposons que nous connaissons que l'inflation descend pratiquement à 21%, alors que l'inflation était presque montée à plus de 25%. Donc, c'est des éléments intéressants que nous avons dit. Je dis, nous avons pile tôt dans la rue. Pour qui ça nous avons pile tôt dans la rue? C'est parce que commerçants ont commencé à fixer prix
ça me donne une sorte de good indexé au dollar. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'on paraît qu'un commerçant veut dire, il dit que si c'est un dollar, c'est tant. Si c'est un good, c'est tant. Monsieur, nous, pas qu'il y a un moment là que vous avez pour une sorte, nous avons fait arithmétique, nous avons fait addition, soustraction, division. Nous connaissons très bien, ou juste garder qui est en good là, qui s'allie en good, qui s'allie en dollar, ou diviser, et vous comptez qui est en good. Donc, chaque commerçant, non tout, ou pas capable de marcher comme ça. C'est un marché qui m'a dit une correction importante. Donc, affichage des prix en goût de là, ce n'est pas affichage là seulement. Ce n'est pas non seulement afficher prix en goût de là, mais le plus haut possible de façon à ce que me fait le plus et bénéfice possible. Taux de changement, c'est au monnaie de. En fait, de change de goût à dollar, c'est conversion que l'on est. Il n'est pas supposé au marché, sauf si on relève en intermédiaire de change. Ou bien on banque à faire change. Mais tout le monde n'a pas qu'à faire change. Bon, bien sûr, on dit augmentation des importations. Donc, mes situations que nous vivons, je tiens, mais certainement, nous sommes très loin de 123 gouttes à 71 gouttes, que taux de référence dans les je tiens. World Bank Central, c'est stabiliser taux de change. C'est stabiliser, en fait, c'est une bataille pour stabiliser taux de change. Mais lui-même, pour contre lui, je vais répéter encore une fois, lui pas qu'à faire pour contre lui. Et c'est pour ça que maintenant, nous avons un ministre des Finances à côté de là, justement, parce qu'il y a des mesures que le gouvernement prend. Et parmi les mesures que le gouvernement prend, ok, nous connaissons les mesures affichage des prix. Mesures affichage des prix, ça veut dire que tout produit sur ce territoire-là supposé en goutte, affiché en goutte, et si au monde voulait payer un dollar, que d'ailleurs, en fait, il n'est pas supposé payer en dollars, mais si au cas où vous t'en permettez de payer en dollars, ce n'est pas machin pour fixer toi. Toi déjà déterminé par le taux de référence de la BRH. Pas supposé gagner plusieurs taux dans le pays. Son grand taux supposé gagner, bien sûr, sauf si dans le cas de change à travers un intermédiaire qui gagne licence et qui agréé pour ça. Donc, il y a des mesures de réduction des pensions que le ministre des Finances souhaite annoncer. Et certainement, il y a au niveau de la Banque Centrale, mesures qui prend le dernier décret-loi qui est sorti sur les intermédiaires de change. Qui sont intermédiaires de change? Intermédiaires de change, c'est-à-dire que c'est monde qui habilité fait change dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas tout le monde qui a fait change dans le pays d'Haïti. Le monde qui a habilité fait change, c'est banque, institution financière qui bien doit faire ça, et les intermédiaires de change. Décret ça qui soutient l'effet de intermédiaire de change, il y a un bureau de change. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, je dis, au monde qui a une licence pour faire change, il est capable de gagner des bureaux, il y a plusieurs bureaux, ça veut dire que comme dans tout pays, il y a établi des bureaux qui sont des bureaux de change, il est capable de gagner tout des sous-agents. Ça veut dire que cette histoire que au monde campé dans la rue à 20 dollars, il est capable, mais sauf que là, un sous-agent qui est lié avec un bureau de change. Pour qui ça c'est important? Donc, sous-agent maintenant, bureau de change, il y a un agent, il y a un sous-agent, il y a un bureau, tout côté, sur tout territoire là. Maintenant, qui ça que lié? C'est que le bureau de change est obligé de rapporter à la Banque Centrale tout change que le fait. Et je dis, l'on a parlé de un taux de référence, il n'y a pas seulement un taux de référence que nous calculons dans le système bancaire là, il parle un taux de référence que nous joignons de toute transaction achat et vente de dollars qui fait sur tout territoire là. Voilà pourquoi il est fondamental et il est important que M. Sa enforce, que M. Sa justement, que l'y applique et que l'y respecte. De façon à ce que leurs besoins changés comme vous, sous mon dollar, c'est certainement un intermédiaire agréé. N'importe qui est pas qu'à faire.
Et je dis à grand pile monde, nous au courant que grand pile monde cap fait change sans que yo pas de qui doit faire change. Il y a monde qui fait change dans le système informel là. Il y a monde qui fait change dans le système formel là. Cette histoire de m'vlez vendre aux amis plus de 10 000 dollars américains et que juste font transfert sous les sous comptant de la ligne et puis les mêmes font transfert back sous comptant de mouvement, faut me dire que transaction ça y est, ils ont reporté par UCREF. Et UCREF en droit vini pour demander qui sont achetés dans le même monde ça pour font transfert de 10 000 dollars, de 20 000 dollars pour eux. Qui business ou gagne. Et c'est ça qu'il y a justement au marché qui est réglementé. C'est pas au marché côté que vous faites n'importe qui sont voulés, jongler. Et c'est réponse à qui baille, je dis, à la situation de marché de change informel, ça qu'a fait là. Oui, c'est vrai. Vous connaissez des gens qui ont fait business sur lui, mais c'est-à-dire qu'il y a l'autre business pour faire. Et c'est dans ce sens-là, moi c'est que l'important que le décret ça, que le pral appliqué. Ce qui est important encore, c'est que nous connaissons que, comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a une diminution de l'offre de dollars par rapport à la demande. Et nous sommes d'accord avec moi, même mathématiquement, il y a une diminution de l'offre. De demander offre de dollars là par rapport à la situation. Certainement, la Banque centrale n'est pas continuer à intervenir. Et la Banque centrale a intervenu dans les deux prochains mois jusqu'à concurrence de 150 millions de dollars. Ce qui veut dire que cependant, ce n'est pas comme pour le monde à le thésauriser, ce n'est pas comme pour le monde à le serrer que lié. C'est pour les besoins effectifs de ça que nous avons besoin. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'intervention Banque Centrale va cibler en priorité produits de première nécessité, ensuite matériaux de construction, médicaments et tout bagaille et certainement les produits pétroliers. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son babiz ap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.